Bonjour à tous, nous retrouvons donc pour cet épisode numéro 5 sur ce let's play de Anno 2220. Donc ce qui s'est passé dans l'épisode 4, on a pas mal agrandi cette map arctique. Malheureusement, on perd énormément d'income. Et je vous le rappelle, on est en mode expert et on n'a pas le droit de faire de prêt. Donc on peut perdre la partie. Et potentiellement, là je commence vraiment à flipper parce que sur la map zone tempérée, on a pratiquement utilisé toute la place pour améliorer l'income. Et là, ça va être Tandax. L'idéal, je peux pas regarder dans le menu contextuel en prochaine pause, donc on va pas rapide. J'ai fou. Welcome. En tout cas, on est 70 sur le live, merci à tous. Mais l'idéal là, de ce qu'il faudra faire, c'est qu'il va falloir que j'améliore toutes ces huttes. Mais pour ça, faut que je crée une zone voie commerciale. La voie commerciale, je sais pas comment la créer, mais je sais que par là, c'est où. Je laisse en pause, hein, parce que le temps va être contre nous. Alors, c'est pas là. C'est là. Lui, je crois que c'est un commerçant. Donc, j'ai pas testé encore, on va tester. Donc, avec lui, peut-être qu'on peut acheter des vitamines, tout ça, enfin des jus de fruits, pour améliorer les habitations. J'espère. On croise les doigts. Bon, allez. J'enlève le mode pause. Faut être rapide, vous allez regarder avec la souris, vous voyez avec la souris ici, vous allez voir que je suis vraiment dans le négatif. Hein. Allez, c'est parti. Salut, comment ça va? Ok, je remets pause, c'était rapide. J'ai vu qu'on pouvait acheter du pétrochimique, de la mousse et du poisson. Enfin, de la conserve. C'est tout ce que je produis. Enfin, pas le pétrochimique, mais j'en ai pas mal. Donc c'est pas ça qui va m'aider. Je laisse pause un fond. C'est quoi ça? On va tester. Ok, non, ça m'aide pas. En fait, les délires, c'est ça, en fait. Je crois que le délire... Merde, c'est où qu'on voit ça? Il y a un truc, tu sais, construction à 0%. Tu sais, je vous l'ai montré plusieurs fois. Mais alors, je sais pas comment ça fonctionne, c'est ça. Alors, je vais essayer de faire un truc. Oh, ça va coûter une blinde de le faire. Attends, je peux pas le faire passer là, parce qu'il faudra un pont. Ok, un pont. Okay. Ok. Est-ce que j'en ai un sur ma zone à moi? Je veux la même chose sur ma zone. Mais j'en ai pas. Parce que le relief, je peux pas faire de pont, je crois. Enfin, je peux pas passer avec la route. Parce qu'à la limite, c'est peut-être qu'il faut le relier. Ouh! Je pense à un truc. Lui, il va peut-être me servir à quelque chose. On va faire plusieurs tests. Hein. Je sais pas si on aura le temps. Avant qu'on soit dead. Je peux te prendre toi. En avant, toutes. Ouais, je peux te prendre. Ok. Affirmatif. Oh, tu vas mettre trop longtemps à aller là-bas toi. Tiens, on a un plus près là. Non, ça c'est pour coloniser. Entrepôt. Revendiquer, ça c'est pour coloniser. Ça, c'est autre chose. Ok, mon bateau fait le tour. Là, j'ai des missions, là, non? J'ai trop de boulot pour me charger de ça aussi. Récompense? Non, je veux pas ça. Vous voilà. De la thune. Justement, j'ai un travail pour vous. Ok, il me donne du pétrochimique. Je n'ai sûrement pas à vous rappeler vos responsabilités. Checkpoint du canal. Ça va être compliqué, ça. Salut, Kuba! Allez, un bon LTFK4 lors de repas universaliste. Ah, j'aime, ouais. Europa universaliste, un très bon jeu. Ah, très bon jeu. Paradox Interactive, ouais. Ça, c'est un bon studio quand même. Bon, bah, on va être fauché. Je vais essayer de réduire le temps, mais. Oh là là. Ok, ça réduit bien le temps, hein. Mais ça améliore. Ah, ça me sert à rien. Bien reçu. Ok, ça me sert à rien. Pause. Faut que je trouve des drones d'observation.
Attends, je suis où? Je vois même plus la minimap, ça le souci, putain. Votre pause, il est abusé. On va peut-être perdre là-dessus, hein. Je pense que je vais essayer de retourner un peu. Drone d'observation. Est-ce qu'il y a des drones d'observation ici? Peut-être que j'aille là. On va tester un autre truc. Dernière tentative. On va être fauché de toute façon. On n'aura plus qu'une demi-heure après. Affirmatif. Je vais aller là. Je vais vite faire un retour rapide. Hop. Qu'est-ce qui vous amène à Ibarra Foxcom? Ah, je peux investir le secteur. Ok, très bien. Moi, j'ai pas assez d'argent. Très bien. Parfait. Pas de la thune. Hop. Je vais essayer de voir si j'ai vraiment tout optimisé ou pas là-bas. Créer une route de transfert de boissons. Ouais, mais ça, j'aimerais bien. J'aimerais bien construire la route de transfert, mais je vois pas comment on fait. On va aller là-bas. Est-ce qu'on me propose une route de transfert ici? Non. Alors, attends, comment je peux faire pour évoluer tout ça? Vous vouliez me voir? Il me faut des implants neuro. Oh. C'est pas bon. Ça pour une surprise. Alerte. Impossible de satisfaire la demande de certains biens de consommation. Tant que j'ai de l'argent, je vais faire des routes. Hein. Là, on va en profiter. On va essayer d'améliorer tout ça. Vous savez quoi? Ça fait laguer le jeu quand j'appuie sur moins. Parce que là, j'appuie sur moins pour que le temps passe moins vite. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est pour améliorer l'income. Le problème, c'est que j'ai plus beaucoup de place sur mon île. Ça, c'est des effets secondaires, c'est que ça va consommer énormément sur ma bouffe et sur mes ressources. Enfin, je serai en appui sur le moins. Je peux pas trop faire. Ah, c'est what the fuck. Non, j'ai encore de l'argent. Ouais, ça lag. Il me faut de l'income, hein. On va essayer d'optimiser tout ça. Ça lag le fait que j'appuie sur le moins. Ok. Ça s'améliore pas, ça s'améliore pas. Ouais, il y a peut-être un cap si je dépasse les 6000 habitants. Waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Ouah, je vais pas le détruire, hein. Je vais pas le détruire parce que ça me coûte de l'argent de détruire. Ça me rembourse pas, je suis en mode expert, les amis. Coloniser une autre île, c'est une très bonne idée, mais le problème c'est que ça me coûte de l'argent. Et j'ai pas l'argent. Mais c'était une très bonne idée, hein.
L'idéal, c'est d'avoir une autre île pour faire la même chose, ouais. Pour essayer que ça rapporte de l'income, mais non. Malheureusement, j'ai pas l'argent nécessaire. Zone bloquée. Ah ouais, ok, je comprends mieux pourquoi il y a une zone bloquée ici. La zone elle va rester bloquée comme ça ici. Est-ce que je peux mettre au moins une route? Allez, je sais que c'est la route. Ouais, c'est lag en mode pause quoi. Très bien. Je retire un peu le mode pause. Je le remets. Ah, je suis en train de faire masse habitation. On va la remplir cette île là. Hein. On va la remplir, hein, je vous le dis. Ça doit pas être très agréable à regarder, hein. Mais j'essaie de lutter un peu contre la faillite. Vous voyez déjà, là, je suis passé de moins 2000. En situation de crise financière, nos directives prévoient des coupes claires dans le budget. J'ai plus grand chose pour construire. Hein. Et aïe. La route elle est même pas passée là. Je suis 4900 habitants. Ok. Niveau ressources, du coup, il manque masse ressources. Il me faut de l'eau. Ok, j'ai plus de thunes. Vous voyez, j'ai un compte à rebours qui s'est mis en place. Aïe 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 aïe. Ah, vous savez quoi, je peux pas augmenter plus. Hein. Là, j'ai fait le maximum ici. On va retourner en zone arctique. J'ai une proposition à vous faire, si ça vous dit. Alors, c'est pas la première fois qu'on arrive à ce moment-là. Salut Sloane. C'est pas la première fois qu'on arrive en crise comme ça. On avait déjà réussi à résoudre le problème. Est-ce que mon bateau est arrivé, mon... Ah ok, d'accord. Alors quand je quitte, ok. La vie s'arrête, mais l'économie continue. Que l'économie chevauchée continue ici. Non, il y a un truc que je peux faire, c'est vraiment l'arrêter, mettre pause. Parce que ça, ça me coûte 1200. Ça me coûte 600. La violence, c'est pas mon rayon. Vous prenez le relais? Mais niveau électricité, je suis juste. Alerte. Ressources humaines insuffisantes. Je peux pas faire plus pour aller. Alerte. Sous-approvisionnement de biens de consommation spécifiques. On les redémolira plus tard. Clairement, je peux pas faire de route. Je peux plus faire de route parce que j'ai plus d'argent. Ça, ça me coûte juste de la mousse. J'en ai plus beaucoup. Ok. Ouais, clairement, on est dans le caca. Ouais, moi, j'ai plus de mousse. On n'est pas exigeant.
On ne demande que des conditions de vie potables. Ouais, mais j'en ai des biens là, mais 0 habitants sur 10. Ah ouais, mais c'est pas bon. Venez les amis. Bon, qu'est-ce que j'ai en trop? Ok. On met pause là-dessus. Je vous trouve étonnamment prudent. Allez, faites-vous entendre. Est-ce que j'ai des habitants là ou pas? Regardez un peu où on vit. Ça c'est centre logistique, je peux pas. Et je mets pause sur celui-là. Donc, tous ces habitants, voilà, ils vont pas être réchauffés. Ok, je mets pause là. Je vais mettre pause sur toi. Même sur la logistique. L'idée logistique, j'ai peut-être un peu abusé. On va essayer d'égaliser un peu les thunes. Je peux pas mettre pause sur la logistique. L'énergie, je peux pas mettre pause non plus. Bon, toc. Ok. En fait, il me faut plus de conserve, mais ouais. Je te mets lecture, mais je travaille pas assez dessus. Bon, on va arrêter la mousse. Hop. Gros carnage. On va faire plusieurs tests. On reste 25 minutes. Donc, il y a de la thune. Voilà, ça va se récupérer. Ce qu'il me faut, moi, c'est d'arriver de population. On a 32%. C'est quoi ça? Ok, comme ça. Hein. Bon, le problème, il faut qu'il se règle ici. C'est ici que ça me coûte vraiment cher. Sur la map, il n'y a pas d'option. Non mais j'ai pas oublié hein, que je désactive les zones de chaleur et du coup ils vont crever de froid. Mais après voilà, il y a des zones de chaud et qui sont vides et qu'il n'y a pas de population. Sont constamment sur là, ils sont vides. Autant qu'ils aillent là-dedans. Autant qu'ils aillent dans ceux qui sont chauds. Voilà, on va essayer de faire le transit. Alors est-ce qu'il y a des options dans la map? On va regarder ça rapidement. Ah, attends. Nouvelle route de transfert. Oh les gars. Merci. Comment tu t'appelles? Comment il... Attends. Zacher. Le problème c'est que j'en ai pas là-bas. Votre personnel arctique subit des températures extrêmes à longueur de journée. Ces vitamines ne seront pas de trop. Itinéraire de transfert inefficace. Pénurie de ressources. Ah ouais, là ici, une pénurie de ressources. Maintenant, faut que je règle le problème de ressources. Construction possible de nouvelles structures. Par contre, j'aurais bien voulu que ça me donne du crédit, tu vois. Ouais, j'ai peut-être vu un peu tard ça. Itinéraire de transfert dysfonctionnel. Approvisionnement inapproprié. J'ai testé des trucs. Itinéraire de transfert inefficace. Ah, inefficace, okay. Pénurie de ressources.
J'essaie de comprendre le délire de route. Ok, aperçu des routes. Ça, on la cancel. Poubelle. Oui. Cancel. Poubelle. Ok. Après, parce que j'ai pas d'argent. Est-ce que ça va me les évoluer? Cet endroit n'a pas grand chose pour boisson vitaminée, c'est ok. Conserve d'aliments, c'est ok. Ils veulent des implants neuronaux. Ouais, c'est pas possible ça. Parce que ça me coûte de l'argent les implants neuronaux. Là, il me faut 6000. Et après, il me faut 20 000. Ah ouais. Mais si j'avais ça, c'était bon. Alerte. Sous-approvisionnement de biens de consommation spécifiques. Est-ce que je peux acheter des implants neuronaux? Ouais, c'est gentil de passer. Non. J'aurais besoin de votre aide. Soit c'est mon logiciel de suivi qui lag, soit c'est vous qui êtes à la traîne. Entrez donc. Un plaisir de vous revoir. J'aurais une mission à vous confier. Ah, c'est un sujet du travail pour vous. Mais moi et les armes, ça fait deux. Vous voulez bien vous en charger? Celle-là, on l'a déjà faite, non? Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu? Allez, gars, on va tester. Je suis au chaos le plus total. Ça sent le reboot. C'est possible. On a 20 minutes. Ouais, je joue en mode expert, du coup, on peut pas faire les prêts. Et on a peut-être fait une connerie un peu trop. Et je peux là, pas rembourser. Vous voyez ce bazar, un bâtiment, ça me rembourse pas le bâtiment. Des transmetteurs qui génèrent des interférences dans tout le secteur. Et bien sûr, des cuirassés pour les protéger. Mais j'ai déjà fait cette mission. J'aimerais que le bon docteur nous explique comment on est censé contenir un tel déploiement de force. Heureusement que vous êtes là. Il y a longtemps, on croyait que la Lune contrôlait le climat. Nous en avons fait une réalité. Et tout est revenu à zéro en fait, c'est marrant. Tout indique que la situation va encore se dégrader. Ah ouais, mais attendez, pause. J'avais pas cette mission de tout à l'heure. Ok. Le problème, c'est que la partie a continué à côté. Donc... J'ai du travail pour vous, mais ça risque de partir en vrille. Ok, toi tu veux deux barrages de missiles, toi tu veux quoi? En l'occurrence, il faudra employer la force plutôt que la ruse. Ok. Bon, ça me donne pas d'argent tout ça. Les missions, elles sont où? Les conflits armés compromettent les... Bon, faut qu'on la fasse vite. En avant, avec un peu de chance, ça va améliorer le climat. On va faire ça vite. On va pas faire les trucs secondaires. On va aller directement aux objectifs, ça c'est l'objectif. Apparemment, si on a une autre. Hop hop hop. On va pas se prendre la tête, hein. Allez, hop, on fait ça speed. Parce que je pense que le compte à rebours il joue encore. Ah, allez, on trace. Affirmatif. Opération en cours. Au poste de combat. Moi, dans l'épisode prochain, ça va être la saison 2 du Let's Play d'Anno. On est en route. Les gars, soyez pas défaitistes. Ça va le faire. Ça c'est des trucs explosifs, ça ouais, ça c'est des drones explosifs. Ok, on s'en fout, ça fait pas très mal. Ah si, ça fait mal. Réparation. On est paré. Ça fait mal, bon, fait réparer. Et... on est paré. On fait ça vite. Du coup, ça va m'améliorer, tu sais, le réchauffement, je sais pas. En avant, tout.
consacre ça, s'il te plaît. Reçu. Ok. Je fais ça en deux spi. Rien qu'on ne peut reconstruire. Paré à l'action. Puissance dérivée sur les boucliers. Engagez le combat. Déploiement en cours. Nous sommes sous le feu. Oh, ça pop comme ça, quoi. Système d'armement activé. Ouvrez le feu. On fait ça en deux spi. Au poste de combat, ils nous attaquent. Galactique, welcome. Bienvenue à toi l'ami. Système d'armement activé. Bienvenue sur la Bug TV. Ouais, vous êtes capable de toucher. I'm in love. Bienvenue with Croquette. The go. Bienvenue. Oh. Salut Kero. Je vais aller vite et je peux signer des choses. On est en route. Ok, il me reste plus que ça à tuer. Très bien. Franchement, okay. C'était flippant. Ouais, ouais. Vous êtes un vrai de vrai. Moi, j'ai pas fait tout ce qui est secondaire, hein, j'aurais pu les faire. Au moins, vous êtes capable de toucher des cibles immobiles. Ok. Je peux me permettre un peu de publicité personnelle ? Je tiens un comptoir commercial dans le coin. Je compte sur vous pour passer à l'occasion. Bon, j'ai pas mal de missions secondaires, mais bon. Voilà, le temps s'est déroulé depuis, il nous reste 20 minutes. Regardez qui nous vient du froid. Oh ! Il faudrait des crédits pour ça. Hein. Il faudrait des crédits pour ça. Il est où ton chasse-neige, toi ? En fait, faut que je regarde la map tout le temps, en fait. Ça, parce qu'il y a des trucs par terre. Bon, il y aura pas de crédit par terre comme ça, tombé tout du ciel. Mais... Et voilà. Alerte. Ressources humaines insuffisantes. C'est nain parce que mon income a encore descendu. Bien fait. La route de transfert me coûte de l'argent. D'accord. Hein. Celle-là me rapporte 2000. D'ailleurs, ça diminue. Ça diminue pas trop. Ok, elle est en train de perdre tout son argent. Donc, la route de transfert, elle est où ? On va l'arrêter. Si on veut s'en sortir économiquement. Voilà, on va essayer de remonter l'income de ça. Ouais, j'ai zéro employé là-bas. Rendement énergétique global, ok. On va tester un truc, les gars. On va tester un truc. Allez, outil de la dernière chance. Ok, l'income est ok. Bon allez, hop, on a plus qu'à accélérer le temps. Ouais, quand il n'y a plus de solution, il y a toujours une solution. La solution de la dernière chance, tu mets tout en mode pause,
et on va mettre de l'argent de côté, on fera les nanos machin. Mais du coup, on va pas faire grand chose pendant ce moment-là. Donc là, faut qu'on atteigne les 5000 de crédit pour qu'on soit tranquille. Première fois que je regarde ce jeu, il a l'air beau, tu le recommandes? Il est très beau. Ça dépend de toi, je sais pas. Je sais pas comment t'es. Parce que. Il y a certains profils de joueurs, je le recommande pas du tout. Il y a certains profils de joueurs, oui, je peux le recommander. Je sais pas. Dis-moi quel est ton profil de joueur et je te dirai si je te le recommande ou pas. Mais globalement, non, je pense pas que je le recommanderais. Je pense pas. Je donnerai un avis définitif. Pour ça, j'ai pas vu grand chose, mais je donnerai un avis définitif. Bon, allez, on est dans le positif, on a une income positive, on va attendre un petit peu. On va régler un peu le problème d'ici. Je pense qu'on va régler le problème d'abord ici. Alerte. Sous-approvisionnement de biens de consommation. Boisson vitaminée, c'est chaud. Et nourriture bio, encore plus chaud. L'eau aussi, ok. On va gérer tout ça. Alerte. Sous-approvisionnement de biens de consommation spécifique. Genre ici, y a pas de route. Où est-ce qu'on l'a vu pour la dernière fois? Oh, le zoom. Ah ouais, toi t'as pas de route. I'm in love with the coco. Destruct trophy. Welcome. Bienvenue à toi. Au moins on peut reconstruire, ça c'est bien. Je touche un petit peu d'argent. Hop là. Ouais, il faut juste qu'on atteigne les 5000 de crédit. Comme ça, alors on a pas de banqueroute. Parce qu'on a construit comme des ports. La petite île quoi. Là-bas elle a l'air plus grande l'île, hein. Ouais. C'est quoi, c'est un pont qui relie? Non, c'est quoi? Je sais pas si je peux faire des trucs ici moi. On avait pas assez de ressources pour lancer l'amélioration. Il faut du super alliage. 25 de super alliage. Ok. Et est-ce qu'il y a pas des ressources par terre comme j'ai trouvé en Arctique? Ouais, ça j'ai pas regardé, mais sûrement des ressources par terre qui se promènent. Bienvenue chez Nick. Alors attends, ça me coûte quoi? 4 crédits, 3 crédits pour 1. Le communicateur? Ah, faites pas attention. C'est sûrement. Et là, j'ai une mission. Techniquement, il s'agit bien d'une violation de votre territoire. Mais avant d'en référer à qui que ce soit, écoutez-moi. Avant qu'on ne vous attribue la côte de Fairwater, Lei Sheng y avait entrepris la construction de centrales hydroélectriques. Ces centrales s'inspiraient des plans d'une corporation rivale mise en faillite. Et cassé le barrage. Trust. Le projet fut abandonné lorsque les barrages cessèrent de fonctionner. Après plusieurs incidents. Mais si nous unissions nos forces, nous pourrions mener à terme la construction de ces barrages, et la moitié de l'électricité produite vous serait dévolue. Ai-je capté votre attention? D'accord. Ok, elle veut que je construise le barrage. Énergétiquement, ça doit être pas mal. Ça doit être rentable. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas l'argent. Récupérer les vestiges du barrage avec votre véhicule. Acheminer les éléments récupérés jusqu'à avion de métier. Oh, ça va alors, ça coûte rien. Mon véhicule. On va faire ça, hein, le temps que on finisse tout ça. Là, il y a un élément. Ok, alors, merci. J'ai pas mal à jouer à des SimCity, Age of Empire. Et cela fait longtemps que j'ai pas fait de jeu de simulation et de stratégie. Donc, ça peut être le moment d'en refaire un. Merci, c'est vrai que je préfère un mode libre, mais je vois que celui-là a l'air pas mal scénarisé. Je vais me faire mon idée en regardant le stream un peu. Et bah, Matamor, le jeu est complètement scénarisé et instrumentalisé. Si je dois te conseiller un jeu de gestion et de construction, je te conseillerais sans hésiter City Skyline. C'est le jeu, un des jeux les plus récents dans le domaine, qui est vraiment très sympathique. Après, prochainement, il y a des très bons jeux qui vont sortir. Enfin, très bons jeux. Je vais mettre à guillemets quand même.
Est-ce qu'il y a, il y a deux jeux de gestion, construction de parcs d'attractions qui vont sortir là. Il y en a un pour la fin d'année et il y en a un pour le début d'année 2016. Il y en a un qui est très connu, c'est Roller Coaster Tycoon. Celui qui va s'appeler World. Mais c'est celui que je vais déconseiller un petit peu. Je le testerai pour vous. Je le prendrai. Mais très très mauvaise critique pour la bêta. Énormément de critiques pour la bêta. Le jeu répond aucunement aux attentes des joueurs. Mais voilà. Après, il y a un autre roller coaster qui va s'appeler. Comment il va s'appeler? D'ailleurs, ce roller coaster, il va être développé par Final Frontier. Et Final Frontier, c'est ceux qui ont fait Elite Dangerous. Et aussi les anciens roller coaster. Donc lui, on va voir. Après, j'ai pas beaucoup vu d'avis d'écho là-dessus. Donc lui, on verra ce que ça donnera. Ouh, il y a Prison Architect comme Devil's Dragon. Bah d'abord, hein, si tu veux un jeu de gestion, Prison Architect est très très bien, complet. Très complet, vraiment très complet. Entrez. Vous seriez intéressé par un travail? Putain, j'ai de l'argent les gars, c'est cool. C'est bon, fait. Votre attention est flatteuse, mais un rapport de situation me conviendrait mieux. Entretenir un rendement de main d'œuvre à bassin de... Voilà, bah, c'est bon. Eh, c'est bonne récompense, hein. Il est où le souci là? I'm in love with the coco. Bilox, welcome. Construire et relier un centre communautaire. Ok. Attends, y a d'autres ruines que j'ai pas pris là ou... Le projet est-il terminé? En fait, faut que j'attende pendant 4 minutes. Parce que j'ai tout ce qu'il faut. Ok, d'accord. Quoi, le projet est terminé, bien sûr. Ok, donc là, il faut que je fasse un. Relier. Construire, relier centre communautaire. Est-ce que ce serait pas là-dedans, dans les décorations? Alors, centre communautaire, hein, je suis bloqué là. Je vois pas trop de quoi il parle. Attends, j'ai ma mission ici. Ma hiérarchie souhaiterait vous confier un travail. Non, des robots, j'en ai la construction depuis votre espace, je sais pas. Tu me donnes du graphène. Du graphène, j'en ai la balle. M'en fous. Ça vous dit un petit défi? Arrimez drone d'attaque à votre navire de commandement. Utilisez le drone pour détruire chargeur orbital watch. Si j'en crois les circuits logistiques, il y a des combats dans cette zone. J'ai trouvé quelque chose sur la net. Ça pourrait vous intéresser. Il donne de l'iridium. Mais l'iridium, j'en ai plein. C'est pas ce qui m'intéresse, cela. Tiens, ravi de vous voir, l'ami. Du fric on en a, c'est cool, l'income c'est cool, ça vient. Je clique directement sur la minimap. Ok, des robots de construction, en fait c'est pas trop utile. Je pense que c'est ce que ça me donnera. Ça, comment construire ça? Cet emplacement m'a l'air parfaitement adapté à la construction d'un pont. Je vais d'abord revendiquer cette zone. Vous aurez alors accès à de nouvelles zones de construction. C'est vrai que je pourrais peut-être acheter une zone, ça pourrait être utile. Ça pourrait m'être utile. Parce que là j'ai tout blindé, hein. D'ailleurs pour les jus de fruits, donc les jus de fruits, ils sont là, je peux plus les améliorer. Je peux peut-être lancer une construction. Peut-être plutôt faire ça d'abord, en priorité. J'ai plus la place, hein. Ouais. J'ai quasiment plus de place moi ici, hein. J'ai tout blindé, j'ai tout blindé. Le mec a over blindé la zone. Ah.
Ok. On est encore en dessous. Hein. La flotte aussi. Est-ce que toi je peux t'améliorer? Toi c'est toi. Toi je t'ai déjà amélioré. T'as 300%. Toi non. Toi c'est. Hop, c'est une centrale. Toi t'es les algues. Et toi je t'ai pas amélioré par exemple. Et ouais. Bonjour. De longues périodes d'interaction vidéoludique. Ça c'est abusé quoi. Altère la concentration et les relations interpersonnelles. Nécessaire à la direction d'une méga corporation. Il me dit que vous avez joué pendant 4 heures et il dit, tout à l'heure il m'a fait le coup à 2 heures de jeu. Ça fluctue, attention, faites une pause, ça fluctue sur vos relations interpersonnelles. Ça les mecs quoi. Dérangez pas pendant que je joue quoi, sans déconner. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ok, j'ai amélioré la... l'eau. Ok, l'eau, c'est plus un souci. Vous avez compris que le temps était précieux. C'est bon? Entrez. Vous seriez intéressé par un travail? I'm in love with the Vito Gambino, welcome. Alors, c'est bon, je me suis rendu là, non? Signal perdu? Attends, je te remets dedans, ok. Bonjour Lord Pixel. Ce midi, j'ai déchiré mon kebab sauce blanche bing. Oh là là, tu te mets bien, hélas, tu te mets bien. Banished, ouais, Banished est sympa. J'ai pas testé après. Alors, comment ça? Objet remarquable. Ouais. Navire inactif. Ouais, mais je veux que tu sois actif et je veux que t'ailles me choper ça. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Alors, suivre le signal du drone et récupérer rocher provoquant des turbulences. Alors, le drone, il a un signal. Et il y a un rocher quelque part qui fait des turbulences. Non ? Vous êtes franchement à la bourre, là. Oh, tu veux te calmer, là ? Il est où ton putain de rocher, là ? Je peux te prendre ou pas, toi? Il est là, ce rocher, c'est ça? On est en route. Non? Ah ouais, tu me suis. Alors, apparemment, le signal, il me dit qu'il... Ok, c'est peut-être ça, le signal. Les trucs rouges, là, qui clignotent. Tu me suives. Donc, il me dit qu'il est à gauche. Ah ouais, ok, d'accord. Oh, c'est bien pensé. Voilà, j'ai pris le rocher. Ok, il y en a 7 à prendre. Ok, donc là il m'indique le signal par là, vous voyez il y a un signal un peu un rouge plus fort. Reçu. Ah, il est là. Allez, on vire ce rocher. Ah, il faut aller vers le bas. Ok. Je vais t'attendre, c'est toi qui les détecte, c'est celui à côté de moi. Reçu. Non, c'est plus loin. Reçu. Ok, il est là. Très bien. Elle est plus que 4. Non ? Là, si, c'est ça. On est en route. Bon, le signal, il a l'air d'être plus par là. Putain, mais tu vas me faire des va-et-vient ? T'es sérieux ? On est en route. On y était tout à l'heure ici. C'est parti. Bon, c'est bien. En attendant, mon income, elle est ok. Ça va m'améliorer. C'est parti. Mon argent de base, attends, tu me dis d'aller là, ok. Reçu. Il saute ma gueule là, non? On est en route. Ok, je comprends mieux. Coordonnées confirmées. Et bon, j'ai compris. J'ai compris, tu veux que j'aille tout au bout, c'est ça? C'est parti! C'est genre ces trucs là. Hein. C'est parti! Non, c'est pas ça. Ok, celui-là on l'a pris. Affirmatif!
Il va me demander d'aller à l'autre bout. Oh là là, t'es pas réglo, quoi. Prudence. Eux, c'est le genre tirer d'abord, ne jamais réfléchir. Ok, j'ai une mission de défense apparemment aussi. Affirmatif. Ok, il me redit d'aller par là. C'est ça, ok. Faut pas trop bien les voir quand même. Bon, malgré les défauts multiples de ce soir, je vais sauter sur mon PC. Quand même pour y jouer. Et bah tu me donneras ton avis, hein, Fire. Mais ouais, je vais bien comprendre, hein, que ça donne envie à certains. Mais c'est parti. Je pense que je déconseille. En avant, toutes. Oh là, t'étais dessus, c'est ça. Ok, il est pris. On manque bien un. Reçu. Allez, un dernier. Il est où? Il est là. Ok, acheminé jusqu'à. Ok, ok. Faut que je retourne ici. Bah, il y a certains joueurs qui vont adorer ça, ce jeu. Qui, enfin, ceux qui aiment bien les scénarios, tout ça. Ils vont adorer. Moi je veux un multi, un bac à mon multi. Bacabo, welcome to Bug TV. D'ailleurs, on va pas être très loin de la fin de l'épisode, je pense. Oui, on va être pas très loin. Toujours garder une longueur d'avance sur la concurrence. Au moins, nous sommes d'accord là-dessus. Ok, j'ai réussi ta mission. Bienvenue. J'ai une mission à vous confier, si vous êtes intéressé. Entretenir une utilisation d'énergie. Ouais, bah c'est moi, j'ai ce qu'il faut. Moi, c'est ça que je veux construire, du coup. Toujours pas la construire. Ok, bon, moi j'ai l'énergie qu'il faut, c'est très bien. On va attendre que les 5 minutes se passent, du coup, ça va être ça le délire. On a 23 000 boulas, c'est cool. Alors, avec mon navire, on va essayer de débloquer une autre région. Elles sont toutes petites, hein, toutes ici, hein, sont vraiment toutes petites. On va aller prendre celle-là. Hein. Ouais, on va aller là. Affirmatif. On pourrait prendre celle au centre. Ouais. Non, allez, on va aller prendre celle-là. Reçu. On va l'acheter. Ça me coûte 25 000 qu'on va avoir d'ailleurs. Très bien. Et on va pouvoir agrandir cette zone. Ok, bah moi je vous propose qu'on finisse l'épisode maintenant. Donc je sais même plus combien on était. C'était l'épisode 5. Ouais, c'était l'épisode 5. C'était l'épisode 5 si je me trompe pas. Eh bien. Merci d'avoir suivi cet épisode 5. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et on se retrouve donc pour l'épisode 6. Pour ceux qui sont en live là, les 70 qui sont en live. Juste après là. Juste tout de suite après. Et sinon je vous dis ciao, ciao, bye bye YouTube. Ciao, 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 ciao.